peinture est une forme d'art qui consiste à dessiner sur une surface en y appliquant esthétiquement des fluides colorés. La peinture peut être naturaliste et figurative ou abstraite. Elle peut avoir un contenu narratif, descriptif, symbolique, spirituel ou philosophique. Il existe deux types de peintres, les peintres en bâtiment ou peintres décorateurs et les artistes peintres. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux artistes peintres professionnels qui vivent de leur art. Un artiste peintre est une personne pratiquant la peinture comme discipline des beaux-arts ou des arts plastiques. Comme activité de loisir, alors ceux-ci sont appelés des peintres amateurs ou bien comme métier. Dans ce cas, on a affaire aux peintres professionnels. Je suis artiste. Je peins et je fais des encadrements aussi. Artiste peintre, encadreur. Débuter le métier parfois avec difficulté, ces braves hommes ont pu les surmonter. Armés de courage, ils ont bravé tous les obstacles et petit à petit ont atteint leurs objectifs. Aussi, avec leur volonté et l'amour manifesté à ce métier, ces hommes se sont formés sur le tas. Après 2 ans d'apprentissage bien assimilé, aujourd'hui, ils sont devenus de véritables artistes peintres. Nous, on a appris sur le tas avec des grands frères qui étaient encore plus qualifiés que nous. Qui bossait dur. Deux ont fait l'INSAC. On a collaboré aussi avec des professeurs de l'INSAC. On a collaboré aussi avec des grands frères aussi, qui s'y connaissaient quoi. Pas mieux, mais qui se débrouillaient. Au fur et à mesure, apprendre avec eux, qui sont comme ça, c'est allé. Bon, combien de temps, c'est ce que je vous dis, on a pu mettre au moins 1 à 2 ans pour au moins avoir la main. Pour mieux les structurer là-dedans. Quoi. Bon, au début, quand nous avons commencé, on n'avait pas assez de moyens. On avait au moins une somme de 150 000 qu'on a pris pour commencer. Dans les débuts, on a commencé difficilement. En fait, ça ne nous a pas permis d'acheter tous les matériels, mais on a payé l'essentiel. Et puis bon, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un magasin, nous étions exposés sur le boulevard Latrie. Le début de commencement, ça c'était un peu compliqué. Parce que j'ai commencé ça tout seul. Et puis, j'ai peigné seul. Et puis, j'ai fait des encadrements avant d'aller déposer dans les différentes galeries. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le travail. Bon, mais un moment arrivé que je trouve que ce qu'on dépose dans les galeries, je ne vais pas citer le nom d'une galerie, mais quand même, bon, on peut payer nos œuvres, mais on s'en va trouver que les œuvres ne sont pas là. Et puis, l'argent aussi n'est pas là. Quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Donc, un moment arrivé en 2005, j'ai pris ma responsabilité de vendre mes œuvres moi-même. Voilà. C'est ainsi que j'ai pris un petit coin au Vallon où j'ai travaillé. Et puis, comme je suis seul. Je fais dans les encadrements, je peins et j'encadre. Donc j'ai pris ma responsabilité pour travailler avec les autres personnes aussi. Voilà, donc ça fait qu'on travaille maintenant en collaboration. Bon, j'ai fait du 2 ans. Hein. 2 ans, parce que j'ai commencé en 2002. 3, 4, j'ai commencé à vendre mes jeux. Voilà. Avec un peu d'économie qu'ils avaient, j'ai pris le magasin à 600 000. Voilà, parce que la personne m'avait donné le magasin à 50 000 par mois. Donc j'ai donné 600 000 comme 6 mois d'avance, 6 mois de caution. Voilà, ça c'était le début. Et quand je travaille jusqu'à bon, un moment arrivé, on demande à ce que je me déplace parce que je suis au bord de la route. Voilà, donc c'est ainsi que je suis venu prendre ici. Et ça m'a permis aussi d'évoluer un peu mon travail. Sinon, là-bas, c'est 600 000 on avait pris, mais ici, c'est 1 500 000. Comme on appelle, 5 années après. Voilà. Non, parce que ça dépend si c'est figuratif vous allez faire. Là, on a besoin de quelques éléments comme peinture, et puis les différentes couleurs de peinture, et puis ce que vous avez dû, la préparation d'étoiles. Là, c'est fini. Mais si c'est abstrait,
Là, vous pouvez prendre beaucoup des objets de récupération pour faire le collage avec, pour pouvoir travailler. En fait, nous, on travaille beaucoup avec les calebasses. La signification, parce que calebasse, c'est quelque chose de l'accueil. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on a un étranger, premier, ce qu'on lui tend, c'est de l'eau. On ne peut pas tendre l'eau simple, que ce soit dans les calebasses. Voilà la raison pour laquelle nous, on trouve que calebasse est trop original africain. C'est ça qui fait qu'on travaille beaucoup avec les calebasses. Un tableau est, dans le domaine des beaux-arts, un support de surface plane constitué en différents matériaux, panneaux de bois, toiles tenues sur châssis, etc. De formes et de dimensions variées sur lesquelles est réalisée une œuvre artistique en peinture ou bien fait de collage qui sont des matériaux de récupération comme le tissu, le bois, les calebasses ou bien d'autres matériels. Les tableaux sont en général entourés de cadres en bois ou métal qui sont souvent confectionnés par ces artistes eux-mêmes. Le processus pour confectionner un tableau est délicat, il est donc important de le respecter à la lettre et le temps mis dépend des artistes et de leur état d'esprit. Oui, c'est pas facile quand même, bon, parce que c'est le commencement que vous voyez là. D'abord, dans un premier temps, il faut former le sachet. Ce bois là, c'est ça, on appelle sachet. Après ça, il faut mettre tissu là-dessus. Il faut mettre tissu là-dessus. Parce que vous voyez, il faut mettre tissu dessus. Et puis, il faudrait que le tissu soit bon qualité. Quoi. Bon, lorsque vous avez ça, vous pouvez finir de faire première couche de peinture. Pour ne pas que, quand vous travaillez, dehors soit un peu en couleur bleu, rouge. Pour ne pas que les couleurs soient dehors. Voilà. Bon, lorsque vous finissez ça, vous pouvez faire votre collage. Si c'est abstrait, vous voulez faire. Bon, si vous finissez de faire le collage maintenant, vous pouvez commencer à faire la peinture. Ça, c'est la phase finition. Pour un tableau, ça dépend. Hein. Pour un tableau, ça peut prendre au moins 6 heures du temps. Et puis, comme on ne découpe pas un, on peut commencer 3 pour faire la finition pour une bonne fois. Sinon, pour un tableau, si on veut bien calculer, ça peut. Il y a des tableaux qui peuvent finir en 3 heures du temps, il y a des tableaux qui peuvent finir en 2 heures du temps aussi. Ça dépend de la qualité de tableau que vous voulez peindre. Le tableau de ces gens, il faut mettre au moins environ 3 jours. Le processus 1, c'est de faire une châssis, poser, tendre la toile là-dessus. Maintenant, faire le collage en passant une peinture, une couche blanche. Maintenant, après finir de passer la couche blanche, maintenant, on met la peinture. Les coûts de ces joyaux artistiques varient selon leurs dimensions et la clientèle n'est pas ciblée comme certaines personnes le pensent. Ils ne sont pas fixés. Hein. Les prix varient entre 25 à 150. Voilà. Tout le monde. On a toutes sortes de clients. Le premier client qu'on n'a jamais reçu dans notre atelier, peut-être c'est le président de la République. Sinon, à part ça, on a toutes sortes de clients. Ça varie. Il y a les petits formats de 30-40 qui fait à 30 000 à débattre. Il y a les 30 sur 40, comme ceux qui sont de l'autre côté. Maintenant, ceux-là, ce sont des dimensions 50-60. Et je fais à 60 000 à débattre. Le plus grand qu'elle a, et je fais à 150 000 à débattre. Je n'ai pas de type de client parce que toute personne s'approchant de moi est un client. Je ne peux pas dire non, il y a des clients pour blancs, il y a des clients pour africains. Tout client est mon genre. Comme plus, il y a des grands frères qui sont à l'extérieur. Qui m'y passe des commandes, comme aussi ici. Il y a des tontons, des papas aussi, qui viennent acheter. Dans la confection de leurs œuvres, les artistes peintres sont confrontés à des dépenses en vue de mener à bien leur activité. Et comme pour tout métier, celui des artistes peintres connaît lui aussi des périodes de bonnes affaires. C'est décembre, janvier, et puis mois de mars. Il n'y a pas de période exacte.
C'est vrai, le milieu de l'artisanat, il y a les milieux où ça marche, mais vous savez qu'en Afrique, là, on ne se base pas sur le milieu où ça marche ou sur le milieu où ça ne marche pas. Parce qu'à chaque fois que tu fais un travail, il faut te mettre à l'idée que tu peux faire des étapes où ça n'ira pas, tu peux faire des étapes où ça peut aller. Donc on ne pense pas du milieu où tu ne marches pas ou qui marche. Mais attends-toi à ce que à chaque fois tu gagnes quelque chose sous le bras. Il y a des tableaux qu'on peut dépenser 40 000 dessus. Il y a des tableaux qu'on peut dépenser minimum 10 000. 10 000 à 15 000 pour les petits tableaux. Ouais. Pour la fabrication d'un tableau, je ne peux pas vous deviner les chiffres, parce que je fais en global. Global, il y a le châssis de la toile, il y a l'encadrement, et puis tout y compris la finition. Ouais. Bon, pour un tableau de moins 60 000, je peux mettre au moins une somme de 20 à 25 000 comme argent dépensé sur un tableau. Les artistes peintres vivent de leur art, ils font de bons bénéfices et arrivent à subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Au fait, voilà, je ne peux pas vous définir un chiffre normal parce que vous savez, dans le milieu de l'artisanat, les trucs sont un peu lents. Mais une fois que ça commence à aller, ouais, tu ne regrettes pas. Ça commence dans la lenteur. Enfin, tu peux taper au moins 2 semaines sans qu'un tableau ne sorte. Tu peux au moins faire un jour, au moins attraper le montant de 2 tableaux. Ouais. Donc je ne peux pas vous donner un chiffre exact pour vous dire dans tel jour je gagne ça, ou dans tel jour je gagne ça. Mais au moins, dans le mois, je peux faire au moins un équivalent de 100, 150 000 à 200 000. Pas mal parce qu'on arrive à subvenir à nos besoins. Parce qu'une personne qui travaille, qui arrive à payer ton loyer, qui arrive à manger, c'est que tu arrives à subvenir à tes besoins. Pour une personne, tu arrives à au moins satisfaire une petite famille, tu arrives à subvenir tes besoins. Sans problème, facilement. Ouais, j'arrive à me prendre en charge avec, ainsi que ma famille, ainsi que tous ceux qui travaillent avec moi, sans difficulté. Quoi. Dans le but d'inciter les jeunes à suivre leur exemple ou à s'adonner au travail et surtout à l'entrepreneuriat, ces artistes leur donnent quelques conseils. Quand on veut travailler, on travaille. Mais quand on ne veut pas travailler, bon, on trouve qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Sinon, pour travailler, on n'a pas besoin forcément d'aller travailler dans les bureaux. Donc, les jeunes qui veulent travailler, ils n'ont qu'à s'approcher aux entreprises ou aux artistes. Ils vont travailler facilement. Mais sûrement, ils n'ont qu'à être patients, quoi. Ils n'ont qu'à être patients parce que, bon, j'ai remarqué que les jeunes aujourd'hui sont trop pressés. Ils commencent à travailler un mois, 2 mois après. Ils veulent gagner à même titre que vous, quoi. Vous voyez? Donc, ils n'ont qu'à être patients. Oh, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, on n'attend pas que quelqu'un vienne nous en aider. Parce qu'il ne faut pas tendre la main aux gens pour dire non, cette personne, comme il a les moyens, il va venir nous aider, il va venir me financer pour atteindre un objectif. Finance-toi toi-même et puis ce client va venir t'aider. Aujourd'hui, on n'attend pas que l'État vienne nous aider. Mais nous-mêmes, on veut approcher l'État pour que l'État au moins sache que la jeunesse a des bras valides pour travailler. Soucieux de leur bien-être et d'une meilleure vie, les jeunes doivent nécessairement s'adonner à l'entrepreneuriat afin de réduire le taux de chômage jeune en Afrique.